de Galland qui doit accélérer pour mettre de l'impact. Mais là, l'impact, c'est lui qui l'a subi. Parce que c'est Carrizza qui a gagné son duel, mais c'est conservé heureusement par le Stade Toulousain. Carrizza qui a peut-être laissé une épaule et quelques neurones. Biarritz récupère. Situation-là, on a souvent le réflexe de regarder le plaquage. Le plaquage de Carrizza sur Galland qui va choisir de prendre une course un petit peu oblique, ce qui va faciliter le travail du défenseur du Biarritz Olympique qui va quand même. Mais il a laissé une épaule. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il ait laissé complètement l'épaule, mais en tout cas, il s'est un petit peu électrocuté sur le coup. L'impact est énorme. Ouais.